t'as fait, hein? T'es pas comme les autres. Des fois, je sais pas ce qu'a. Ben, j'ai pas ton instruction. Mais. Tu sais, quand tu m'écris, je trouve rien d'aussi intelligent à te répondre. L'instruction, c'est du temps passé à l'école. L'intelligence, c'est un don. Quand tu vas finir tes études, tu t'es installé à Québec? Je suis pas encore fixée. Mon père m'a offert de reprendre la ferme de la famille. Dès que j'aurai terminé ma maîtrise, j'aurai des projets d'élevage, de culture diversifiée. Au lac Saint-Jean. C'est là qu'est la ferme, pourquoi? Je pense pas que Robert Val va avoir un club dans la Ligue nationale un jour. Qu'est-ce que tu essaies de me dire, Guy Lambert? Je trouve que tu sens bon. Essaye pas de me chanter à pas. C'est pas nécessaire. Non, là? Non. Oh, OK. T'as besoin de patiner. Il a dit que t'avais pas la maison! Que tu dirais qu'on switch, Tristan puis moi. Lui, il irait vivre avec Alex, puis moi, ici avec toi. Parce que là, je suis en train de virer folle avec Alex. Puis en plus, j'aurais pas loué de camion. Sam, je veux pas que Tristan parte, moi. Mais tu peux dormir sur le sofa, y a vraiment pas de problème. Oh non, 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 non. Dis-moi pas. Rosalie! Oh ben, c'est pas mes deux amours. Gênez-vous pas pour moi. Je vais sûrement finir par me trouver un banc de parc. Mais là... Mais tu peux prendre le lit de Tristan aussi pendant un vote? Ah oui? Puis après, tu prendras ma chambre. Il y a des bonnes chances que ça marche pour mon stage au Maroc. Ah, c'est bien cool. Ouais. Mais c'est juste le timing qui est moins cool. Tu partirais à combien de temps? Je sais pas trop. C'est parce que je suis encore là, là. Hey, tu es toujours chez Simon demain soir? Sûrement. Ben, il faudrait que je t'avertisse d'abord. Ah, Julie sera pas là? Ah, oh, non, non, non. Sa soirée de fagitard, c'est avec les filles du bureau. Non, sa blonde à Simon, elle a comme un petit handicap. Quel genre de handicap? C'est vrai? Bon, plus ou moins, elle a comme un genre de, tu sais, un bec de lèvre. Hein? Mais là, c'est pas super que ça. Pourquoi tu sens le besoin de me prévenir de ça? T'as peur que j'ai une niaiserie? Ben, tu sais, t'es pas toujours délicate avec ces affaires-là. Ben, Simon, il t'en veut encore de la façon que t'as traité son ex. Hein. Mais oui, mais c'était pas une handicapée, c'était juste une grosse conne. Ben, Sophie, t'es pas juste une grosse conne. C'était une trisomique. Mais voyons donc! Ben, pas une trisomie 21, mais au moins une 3-4 facile. En tout cas, moi, je pensais juste que c'était une grosse épaisse. Ben, même à ça, c'est pas une raison pour y coller ton cosmo dans la face. Elle a pogné une conjonctivite à cause du triple cycle dans son œil. Et oui, mais veux-tu même dire aussi que c'est trop, c'est blonde, Simon, on s'est laissé de chacun maison d'œuvre? Ben, il est pas super beau, hein. Parce qu'il peut. Là, une trisomique, un bec de lièvre, c'est quoi, là? La prochaine fois, il va nous ramener Marie-Hélène Thibert. Allô? Bonjour, Sam. Valérie. Ma voisine voudrait savoir pourquoi t'as accepté de me rencontrer. Parce que, elle comprend pas. Ouais, t'as pas perdu de temps. Écoute, je me suis dit qu'on allait éventuellement se croiser, alors autant régler ça tout de suite. C'est logique. Puis c'est toujours intéressant de rencontrer une auteure de la relève. Oh, je suis même pas sur le bord de faire partie de la relève. En fait, j'étais surtout curieuse de te voir. Oui. Puis es-tu déçue? Non. Pas du tout. Toi? Non. Beaucoup de choses en ce moment, mais je suis pas déçue.